Alors, bonjour. De retour sur Syndicate après 15 jours d'interruption liés à un week-end prolongé la semaine dernière. Et surtout avant une grosse interruption d'une quinzaine de jours pour cause de vacances. Nous étions restés sur la fin de l'event 10. Sur l'espèce de île artificielle La Balena. Alors, repère 11, Raymond. Raman. Raman? Je ne sais pas. Attends, lui, il y a un. Porte fermée, hein, bien sûr. Je voulais aller plus discret, mais j'ai un peu merdé. Actualité toujours. Le président des Nations Unies, Dhyan Ramana, a été assassiné jeudi soir à Delhi par un détraqué en fuite. Ah, d'accord. L'ONU s'émeut dans un communiqué de la disparition de son leader charismatique. Des économistes de la Fondation Nouvelle Société et d'autres groupes de réflexion critiquaient les tentatives de Ramana d'entraver l'activité des syndicats par une législation internationale. Spectacle maintenant. L'hologramme préféré de ces dames, Francisco Sanchez, va parcourir le monde pour promouvoir Agenda 24. Les critiques s'attendent à ce que cette comédie romantique euphorisante batte tous les records au box-office de la star. À ne pas manquer donc. Après la pause, un reportage poignant sur les. En même temps, ça change pas vraiment de nos informations à nous, quoi. D'une fille et de son bourreau, accusés du meurtre de toute leur famille. Restez avec nous. D'après l'activité observée à La Balena, Payment Global se prépare à une action hostile. Sans blague. En plus, je suis tout brouillé là. Plus je descends, plus je suis brouillé. C'était quoi ça? J'ai cassé un truc, mais je sais même pas ce que j'ai cassé. Je suis trop fort. Allez, infiltration dans un petit corridor. Classic shit. Nous sommes dans la baie de maintenance du Balena. Jusqu'à présent, tout se passe fort bien, ma foi.
Peu de rencontres hostiles. Ah bah tiens, quand on parle de rencontres hostiles. Ah, en plus c'est un agent ça. C'est Ramon? Agent Ramon. Missile droit sur nous, pirate-les pour les neutraliser. Ouais. Décédé. Pourquoi je suis décédé? Bon, pour l'instant, ça se résume à un ping-pong. C'est lance-roquette. D'accord. Pourquoi j'ai pas d'armes en fait? Pourquoi toi? Mais putain, mais c'est quoi ce bordel là? Nique-toi, Ramon. Putain, mais j'arrive pas à courir là! Ça me casse les couilles en fait. Faut que je me calme, j'ai recommencé à assembler un chardoche là, putain. Tu vas mourir ici!
missile droit sur nous, pirate-les pour les neutraliser. D'accord. Je vois rien, putain, c'est compliqué là. Je te jure, c'est pas facile. Eh merde, putain. Boss de merde.
Ah, en fait, j'ai compris, faut poser ses grenades, faut poser ses grenades. Ah, rien que. Merde, 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 merde. Ah, salut Koichi, salut, salut, salut. Non, non, je suis pas sur Overwatch. Pas du tout. Ok. Je suis sur Syndicate. Un FPS de Starbreeze de 1992. Les sifflets, ils bougent plus? Il a bugué ou quoi? D'accord. Putain, c'est embêtant ça. Pas un grand jeu vidéo, hein. Putain, là, pour l'instant. Il est parti où? Ah, il est toujours là. Il a bugué. Il a bugué, je le crois pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y a un petit air de ressemblance. J'ai fait bugger le boss quoi, s'il te plaît. Mais c'est une blague. C'est incroyable. Bah écoute, en fait là, là-haut, sur la plateforme, il y a un bonhomme. Ce bonhomme, c'est un boss qui s'appelle Ramon. Et Ramon, il est bloqué là. Normalement, je suis censé lui retourner ses missiles dans la tronche. Et là, visiblement, il y a un script qui a merdé parce que là, il n'agit plus, il ne réagit plus, je peux rien faire. Donc, c'est absolument passionnant. Je pense que je vais être obligé de relancer la séquence parce que bah, je suis bloqué, quoi. Excellent jeu vidéo. Hein. Bah on recommence, en espérant qu'il se rebloque pas parce que là c'est pénible. Voilà, là en fait je suis censé lui renvoyer ses missiles dans la tronche. Sauf qu'au bout d'un moment il commence à comprendre ce que je fais. Essayer de. D'accord. Ok. Bon,
Donc là il s'énerve, il commence à balancer plusieurs grenades. Là j'ai failli passer. Donc là il est. Il tire au milieu, ok. La partie barre. Après il lance des grenades. C'est des grenades IEM qu'il faut que je pète. Je sais pas où je suis. Je crois pas que j'ai réussi à lui renvoyer là. Ah non non, c'est là c'est un combat spécifique hein, c'est parce que j'ai perdu mon arme au début de la mission. Oh putain. Ah non, c'est pas toutes les missions comme ça. Hein. C'est pas tous les boss comme ça, il y a des boss où c'est des gunfights et puis hein. Là, ce qui est énervant, c'est qu'il y a eu un délire que t'aurais pas dû se passer, donc j'étais bien parti, quoi. Il est reparti par là, lui. Pas trop. Ah, j'ai réussi à le toucher quand même. Ok. Merde. Ah, c'est sûr, c'est pas. C'est pas super fun. Alors, le truc c'est que c'est pas super fun à regarder, c'est pas super fun à jouer non plus. Hein. Mais bon. Merde. Parti où ce point. D'accord. J'espère qu'il n'y aura pas de deuxième bug hein, parce que. Putain, mais c'est quoi le bordel? Ça change plus de séquence. Je vois rien. Putain, mais qu'est-ce qu'il se passe là? Putain, c'est incroyable.
Bon. Oh putain, même si je suis en difficile, hein, ça excuse pas le. Les soucis de bug et compagnie, quoi. Ah, faut peut-être quand même que je pète la grenade. Ouais, peut-être. Bon, en fait, il y a une pattern, d'accord. Merde, j'ai merdé. Ah, j'ai merdé. Ah, j'ai compris. Ah mais putain. Bon, il y a une pattern, il faut que je le fasse avec. Casse les couilles. Le problème c'est que si je ne pète pas la grenade IEM, derrière je peux pas balancer le missile, sa gueule. Je pense que j'ai compris, mais bon. Ok. D'accord. Bon, faut que je réussisse à lui repéter son truc là. Ok. J'aurais pu leur mal laisser deux en fait. J'ai merde. Oh putain. Bon. Non, mais ça me casse les couilles, putain. Putain. Ouais, c'est chiant. Ouais, faut être motivé. Je te confirme là, c'est. C'est tout sauf fun. Merde, j'ai merdé. Bon.
Ces grenades là qui font chier en fait. Ah merde. J'ai eu chaud la vache. Ok. Il y a une dans mon dos. Ah yes. Ah j'en fais un truc, j'ai fait un truc cool. Agent ennemi touché. Extrait les informations de l'agent ennemi. Oh putain. Sortons d'ici. Je peux quand même prendre la puce, ouais, je peux quand même prendre la puce. Merci. Ça fut laborieux, mais ça fut entaché de bugs en plus. Alors, très bien. C'est bien ça. Écoute, je mets en marche les machines. Comment te dire, il y a système d'amélioration progressivement dans le jeu où tu vas monter en puissance à l'aide de puces d'amélioration. Après c'est un jeu qui était déjà pas très très bon quoi, il est sorti à l'époque et qui a forcément pas non plus très bien vieilli quoi. Soyons clairs. Hein. Après, je sais pas ce qui se trame là maintenant, mais. Pourquoi m'a-t-elle aidé? Grande question, sachant que t'es censé la poursuivre parce que. Visiblement, tout laissait à croire qu'elle avait trahi. Pas mal. Oui, en même temps, normal, la précision, forcément. Je n'ai fait que renvoyer des missiles dans la tronche.
Alors, rang cadre supérieur. Bon, après, je te rassure, hein, globalement, on a des armes quand même dans le jeu. On peut fighter. Ça reste un FPS. Hein. Mais j'avoue que c'était pas le combat de boss le plus épique qui m'a été donné de voir. Ça, c'est clair et net. Hein. Alors, on dirait qu'il y a un passage là. Faut prendre cette échelle. Pas de problème. On va pousser un truc. Genre. Ah bah non, genre, on va juste la. Ok, on va faire la courte échelle là. Ok, pas de soucis. C'est le seul moyen d'entrer. Aide-moi. Ouais, mais je vais t'aider, t'inquiète pas. Allez. On a de Rosario Dawson, hein, parce qu'ils ont quand même pris des vrais acteurs pour les personnages. Ok, moi je me démerde alors. Ah mais non. Non, j'ai eu peur qu'elle m'ouvre pas la porte, guiche, mais bon, c'est bon. Tout va bien. Coria McToy. Ok. C'est un jeu. Trouve un autre moyen d'entrer. On se retrouve plus tard. Bah. Après, ça se joue, hein, bien sûr. Moi, ce qui m'énerve un peu dans le jeu, et ce qui se trouve sa grosse limite, c'est le côté couloir pur et dur à la Call of à l'ancienne, qui te laisse aucune marge de manœuvre. En gros, le jeu, c'est toujours trouver la porte ouverte. Voilà. Ça se limite un peu à ça. C'est vrai que parfois, c'est un peu frustrant de chercher la bonne porte, quoi. Cassez-vous les dealers, voilà. Après, il y a quelques bonnes idées, mais bon, quand tu vois que c'est. En fait, c'est surtout quand tu vois de quelle franchise ça s'inspire. C'est vrai que de toute façon, ça avait été une grosse douche froide. Parce que Syndicate, à la base, c'est un jeu de tactique. Qui était plutôt assez riche pour l'époque, en tout cas pour les années 90, et c'est vrai qu'ils l'ont réduit à un FPS un peu bas du front, c'était quand même un peu dommage. Après, c'est marrant parce qu'on retrouve des, comment dirais-je, on sent que c'est les mecs derrière, je sais même pas d'ailleurs si c'est les mêmes mecs exactement, mais en tout cas, c'était le studio à l'origine des chroniques de Riddick. Butcher Bay, Escape from Butcher Bay et Dark, Dark Arena. Non, pas Dark Arena. Bah après, très simplement, je pense que l'idée c'était simplement d'utiliser une franchise qui avait une certaine renommée auprès des joueurs. Et puis en faire le truc qui était à la mode à l'époque. Le truc à la mode à l'époque, c'était un peu les FPS couloirs, donc enfin, à l'époque, en 2012, hein, mais bon. Après, le jeu a fait un flop total, radical. Tu devrais pouvoir avancer jusqu'à l'étage au-dessus. Après, comme je disais, hein, tout n'est pas acheté, il y a quand même une ambiance. Cyberpunk qui est plutôt classique, hein, mais reste sympa.
Ouais. Où est-ce que je dois aller, hein, déjà? J'ai la dalle. Alors. La merde, j'ai raté un truc. Hein. Qu'est-ce qui se passe? J'aime bien, j'aime pas, enfin là je comprends pas. Attends, c'est quoi ça? Ah, il y a mis un truc actif. Il y a une rampe, Bruce. Oh la tristesse du joueur qui ne voit pas la rampe. Oh putain. Pas facile ma vie. What? Ah putain, la séquence casse-tête débile qui fait chier. Alors attends, est-ce que là? Il doit bien avoir moyen de monter, non? Ah oui, ben voilà. Formidable. Ok, j'ai compris. Balapin. Alors ensuite, la passerelle passe ici. Voilà, on vient de traverser, c'est formidable. Signal plus de l'île drôle, perdu. Ah, la boulette. Brouillage probable de fréquence des rebelles. Prudence. Il y a deux recordements. C'est des connards, mais les rues sont propres avec eux. Bah, merci. Ah ouais, c'est propagande. Propagande, j'avais pas trouvé des masses. 5 sur 60. C'est pareil, il y a plein de trucs à découvrir à la con, mais plein de collectibles. Là, je suis dans la Done Zone. Pardon. Ah là, j'en ramène. Avec la révolution, réadressage. Les tours vont brûler. Quand ce jour viendra, on ira tous vivre. Ah, si je veux, je peux les exécuter. Non, je suis pas comme ça, je peux quand même pas les exécuter, je suis pas un monstre. Pas un monstre. Alors, on va continuer à descendre dans les bas-fonds. Quelques junkies quand même. L'histoire, enfin, pour faire très grosso modo, on va dire que dans le futur, les organisations, les syndicats sont devenus des espèces d'organisations très puissantes qui se tirent la bourre entre elles et ont tendance à devenir limite fascisants.
Et donc du coup, il y a une des organisations qui essaie de récupérer un professeur qui était au départ un traître et qui n'est peut-être plus un traître. C'est pas clair ce que je raconte, mais en gros l'histoire n'est pas super claire non plus. Enfin, en fait, c'est surtout que l'histoire, on s'en bat les couilles en fait. C'est vrai qu'elle est pas... C'est pas des plus passionnants. Non, en vrai, c'est... Je sais pas... On va dire qu'il n'y a pas une histoire qui fait que tu t'attaches vraiment. Ils ont s'emmerdé à faire tout un lore, tout un... description de plein d'éléments politiques, etc. Mais ça reste hyper classique, hyper basique. Il n'y a pas grand chose à sauver là-dedans. Oh, pardon. Il faut que j'arrête de bailler, moi. Ah ouais, d'accord. Par contre, ça c'est rigolo, ça c'est les... Comme dans les lunettes de Invasion Los Angeles de John Carpenter. Où en gros, tu en mettant la vue spéciale, tu vois au travers le vrai message. Du coup, par contre, c'est où la suite? C'est par là? Ouais, c'est par là. Ah, eux, ils sont endoctrinés. Graffiti de la résistance. En fait, il y en a plein de trucs comme ça. Il y en a trop. En fait, ouais, c'est une énième histoire de population asservie. Ah, attends, il y a un truc là. Putain, il y avait une porte, mais je suis trop débile des fois, c'est incroyable. Voilà. Carrie Frank, nouvelle fiche, ok. Ah, on peut plus aller en arrière. D'accord. Ouais, exactement, ouais. Qui est dominé par des corporations. Surpuissantes qui dominent totalement le. La politique. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai. Dans une information, on apprend que la présidente américaine qui essayait justement de réguler les syndicats a été assassinée. Donc on soupçonne fortement les syndicats d'avoir commandité cet assassinat. Alors, sachant qu'il y a des syndicats plus ou moins méchants, hein, évidemment. Nous, on est les moins méchants. On est pourris, mais on n'est pas les plus pourris. Enfin, quoique. Ça se trouve, on est les plus pourris, mais c'est parce que je le sais pas encore. Parce que mon personnage, il n'est pas encore awake. Mais je pense qu'il va pas tarder à s'éveiller, là. Alors, oui, alors, là j'aurais peut-être dû rusher plus, c'est-à-dire que quand je vois explosif... Ah bah non, en fait c'est un script, ça va. Y'a pas de mal. C'est-à-dire que même si j'avais voulu passer, je crois que je serais pas passé, puisque c'est un script.
Alors. Ah, j'ai mal. Je suis un peu étourdi. Pardon? Ok. Enfin, the fight. Il est déchiré, hein, mec. Ah, mais il y a un mec là aussi. Mais là, j'ai perdu un plus ou quoi? Là, j'ai plus de plus en fait. Il y a toujours le mec au-dessus là. Oh, la grenade! Attends, faut que je me remette bien là. Casse les couilles. Là, c'est... Ok. Y'a 5? Ah, y'a 5 là, putain. On a un fusil à précision. Nos puces ne fonctionnent pas. Ok. Ah, quand même. Ah, réinitialisation IEM. Oh, putain. Merde, les rebelles. Ok. Là en fait on défonce les rebelles, hein, rien à foutre. Et bim.
Easy. Combien? D'accord. C'est bon. C'est bon. C'est pas bon. Combien de mecs là? Mais bien sûr. Il y a un peu du peuple. Hein. Allez, ça sort de là en fait. Quand même du peuple là, merde. On va essayer. Ok, c'est bon là. Ah, j'avoue. Ce genre de séquence quand t'es en lieu clos comme ça, c'est compliqué de... Ah merci Captain Obvious. Mais je me doutais bien que c'était une embuscade, oui. D'accord, les ascenseurs sont coupés. Pardon ? Il fait sombre, mais il doit être là. Allez, d'accord. Ok. Ah, c'est eux qui sont en train d'ouvrir la porte. J'ai compris. Alors ensuite.
Et encore des tuyaux. On adore les tuyaux d'évacuation. Ça doit être la grande passion de Star Wars, ça, les tuyaux d'évacuation. D'accord. Ah mais il y a des bombes dans mon dos en fait. Ok, c'est passé. C'est pas passé au talent, mais c'est passé. Il y a une mouche dans mon placard. Elle m'énerve. Elle m'énerve depuis tout à l'heure. Je vais la défoncer. C'est pas possible ça. Alors, qu'est-ce donc? Ah oui, c'est bien ça, c'est un ascenseur. Écoute, il nous donne un sniper, on va prendre le sniper. Ça peut toujours servir, on sait jamais. Franchement, j'ai cru que j'allais mourir écrasé, mais non. J'aurais jamais la mouche comme ça. Bah. Elle est où la suite là? Ah bah oui. Évidemment, ça monte charge, donc on utilise le bouton. Le bouton de monte charge. J'aurais pu le tuer quand même. Là, c'est pas moi. Oui. On sent la visée solide quand même. J'ai bien cru que j'arrivais pas à sortir de l'ascenseur, mais si, j'ai réussi. Ça sent l'embouche. Ça sent l'embuscade. Putain, je sais pas où tu sortais, les mecs là. D'un seul coup, tu sais, j'étais en mode de scannage de la pièce. Ça.
Et d'un seul coup, c'est la fête du slip. Là. Je ne sais pas d'où ils sont sortis, les mecs. On ne sait pas. Alors. C'est quoi ça? Putain, j'ai pété mon cher sur l'explosion, j'ai pas vu arriver. Ah, fait chier, merde. Ah, j'ai vu l'objectif, j'ai perdu de vue le reste. Fuck me. Putain, mais rien de sortir de là, c'est... compliqué. Ah non, mais d'accord. Il y en a qui sortent des trappes, ils sortent de partout là. Mais what? Bon. Allez, on y croit. Juste que je fasse gaffe. Non, en fait, il y a des trappes partout. Ah, pas deux fois. Ah, ça me stresse cette mouche. Putain, je vais la puter. Allez, on continue notre lente montée vers la surface. On essaie de finir le niveau avant 8h15. À la fatigue. Accès alternatif détecté. Non, je crois qu'on va encore bouffer du couloir et du tunnel sombre. Parce que pourquoi pas. Parle. Aucune chance que je la chope la mouche. Aucune chance. Tout va bien. Oh.
suis bloqué là. Une balle dans le genou. C'est bon. Ils sont calmés. Ils ont l'air calmés. Nouvel ascenseur. Non, je l'ai pas eu. Ah ben voilà. Et ben, oh, la précision dégueulasse. Rang PDG quand même. Il y a du level. Ok, donc maintenant il faut que j'infiltre le territoire rebelle. Mais du coup, je pense que je vais infiltrer le territoire rebelle la prochaine fois. Parce que il est déjà 8h, le temps que je fasse. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Bah, Kodisha, merci d'être passé encore. Merci à toi d'être fidèle au poste. je te souhaite une bonne journée. Revenir au menu principal, oui. Et puis bientôt dans la semaine. Allez, ciao.